Exercice. On considère le système linéaire suivant. S est un système de trois équations à trois inconnues x, y et z. Petit a, résoudre S par la méthode du pivot de Gauss. Petit b, résoudre S en résolvant une équation matricielle. Petit c, résoudre S par la méthode de Cramer. Solution. S étant le système linéaire suivant. Petit a, résolvons S par la méthode du pivot de Gauss. La matrice élargie associé au système linéaire S est la suivante. Le pivot de cette matrice est 1, 1, moins 1. Donc il faut annuler les éléments qui sont sous le pivot en commençant par la gauche. L'élément de pivot pour la première colonne c'est 1. Donc, il faut trouver des combinaisons linéaires entre les lignes en utilisant bien sûr la ligne L1 pour pouvoir remplacer le 2 et le moins 1 par des 0. Pour le 2, je choisis la combinaison linéaire L2 moins 2L1. Et pour remplacer moins 1 par un 0, je choisis la combinaison linéaire L3 plus L1. Ce qui nous donne comme calcul la matrice élargie suivante. On voit bien que les éléments sous l'élément de pivot 1, ils sont nuls. Donc on a bien traité la première colonne. On va passer à la deuxième colonne. Pour la deuxième colonne, pour cette matrice, la ligne de pivot, c'est 1, moins 1, 0. Donc, il faut trouver une combinaison linéaire en fonction de la deuxième ligne qui va pouvoir remplacer le 3 avec 1, 0. Cette combinaison linéaire est L3 plus 3, L2. Ce qui nous donne, comme calcul, la matrice suivante. C'est une matrice triangulaire supérieure, donc le système correspondant à cette matrice est le suivant. C'est un système qui est facile à résoudre. On le résout en cascade, en commençant par le bas. Moins 3z est égal à moins 6, ça veut dire que z est égal à 2. On remplace dans la deuxième équation, ce qui nous donne moins y, il est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 0. On remplace encore dans la première équation, ce qui nous donne que x est égal à moins 1. Donc, notre système S est un système déterminé qui admet comme solution S, il est égal, la seule solution, le triplé moins 1, 0, 2. Petit b, on va résoudre un système linéaire en passant par la résolution d'une équation matricielle. Soit S, un système défini comme auparavant, A, la matrice associée au système, et on pose grand X, la matrice unicolonne des inconnus X, Y, Z, et B, la matrice unicolonne des éléments du second membre, 1, 0, moins 1. Faisons remarquer qu'on a les équivalences suivantes. S, elle est équivalente à l'écriture matricielle, à l'équation matricielle, A grand X, il est égal à B. Ce qui est équivalent, encore, si A est inversible, on multiplie les deux membres par A moins 1, ce qui nous donne A moins 1 AX est égal à A moins 1 B. Et puisque A moins 1 A, c'est
la matrice unité, nous aurons donc l'équivalence grand X est égal à A moins 1 B. Donc résoudre S revient à résoudre l'équation matricielle AX qui est égale à B et qui a pour solution grand X est égal à A moins 1 B. Donc nous aurons besoin de calculer l'inverse A moins 1. Pour cela, on va appliquer la formule suivante. A moins 1, il est égal à 1 sur déterminant de A multiplié par transposé de la comatrice de A. Donc aussi pour calculer A moins 1, nous aurons besoin de calculer déterminant de A, nous aurons besoin de calculer comatrice de A et sa transposée. Le calcul de déterminant de A, il est égal au déterminant de la matrice associée à S. Et ce déterminant, on peut le calculer en faisant la somme de la ligne L1 et la ligne L3. Ce qui nous donne ce déterminant, c'est-à-dire il y a deux zéros sur la première ligne. On va calculer, on va le développer donc par rapport à la première ligne. Ce qui nous donne moins 3 multiplié par le déterminant d'ordre 2, 2, 1, moins 1, moins 1, qui est égal à son tour à moins 3 multiplié par moins 2 plus 1, qui est égal à 3. Et ça, c'est différent de 0. Donc, en conclusion déjà, A est inversible, donc A moins 1 existe. Aussi, on va calculer la matrice comatrice de A, c'est-à-dire la matrice des cofacteurs de A, qui est la suivante. Le calcul de ces cofacteurs nous donne alors la matrice. Et finalement, la transposée de la comatrice de A, c'est-à-dire les lignes deviennent deux colonnes. On aura donc transposée de la comatrice, elle est égale. Donc A moins 1, je reprends la formule, qui est égale à 1 sur déterminant de A transposée de la comatrice de A. Il est égal à 1 sur 3 multiplié par la matrice transposée de comatrice de A, et le calcul nous donne la matrice suivante. Donc la matrice unicolonne XYZ qui est égale à X grand X qui est égale à A moins 1 B, on remplace A moins 1 et B par leur valeur, ça nous donne la matrice, la première, multipliée par B, et le calcul nous donne moins 1, 0, 2. Donc, l'ensemble des solutions de grand S, c'est le triplé moins 1, 0, 2. C'est un système déterminé. Petit c, c'est la troisième méthode. Résolvons S par la méthode de Cramer. S étant toujours le même système qu'auparavant, et A c'est la matrice associée à ce système. Pour la méthode de Cramer, on aura besoin de calculer déterminant de A. Je le note D. Il est égal à 3, il est différent de 0. Donc première conclusion, A est inversible. Définissons les déterminants D1, D2 et D3. D1 est obtenu en remplaçant dans D la première colonne par les éléments de second membre des équations. De même, D2 est obtenu en remplaçant la deuxième colonne de D par les seconds membres des équations.
Et finalement, le déterminant T3 est obtenu en remplaçant la troisième colonne de D par les seconds membres des équations. Leurs valeurs respectives, c'est moins 3, 0 et 6. Alors, les formules de Cramer mentionnent que x est égal à D1 sur D, y est égal à D2 sur D et z est égal à D3 sur D. On fait les calculs, cela nous donne x est égal à moins 3 sur 3 est égal à moins 1, y est égal à 0 sur 3 est égal à 0, et z est égal à 6 sur 3 est égal à 2. Donc l'ensemble des solutions de système S est le triplet moins 1, 0, 2. C'est un système déterminé.